Cake à la rhubarbe. Préparez les ingrédients. 400 g de rhubarbe. 200 g de farine type T55. 175 g de sucre roux de canne. 100 g de crème liquide. 60 g de beurre. 3 œufs. Un sachet de levure chimique. 10 g de beurre pour le moule. 2 cuillères à soupe de sucre pour dégorger la rhubarbe. Préparation de l'appareil à cake. Commencez par faire fondre le beurre au micro-ondes. Dans un saladier, mélangez la farine et la levure chimique. Ensuite, dans un autre saladier, mettre le sucre roux et les œufs. Bien mélanger au fouet pour faire blanchir le mélange. Puis, rajoutez la crème liquide et mélangez. Complétez avec le beurre fondu et bien mélangé. Versez les liquides dans le mélange de farine. Ensuite, mélangez pour avoir une pâte homogène. Beurrez votre moule à cake. Versez votre appareil à cake dans le moule. Le mettre au congélateur pendant une heure. Préparation de la rhubarbe. Épluchez les tiges de rhubarbe. Les coupez en bâtonnets de 6 cm de longueur. Dans un saladier, mélangez les morceaux de rhubarbe avec 2 cuillères à soupe de sucre. Mettre les morceaux de rhubarbe dans une passoire. Les laisser dégorger pendant une heure. Récupérez le jus des rhubarbes pour plus tard. Préparation du cake à la rhubarbe. Préchauffez le four à 170 degrés Celsius. Sortir ensuite le cake du congélateur et planter dedans les bâtonnets de rhubarbe. Le mettre au four et le faire cuire 50 minutes à 170 degrés Celsius. Le sortir et appliquer le jus de rhubarbe dessus avec un pinceau de cuisine. Laissez refroidir et le démouler ensuite sur une grille. Votre cake moelleux à la rhubarbe est prêt. Bonne dégustation! Si vous avez aimé cette recette, abonnez-vous à notre chaîne.